Allez, back on track avec cette paire de 3 que l'on va raise, ce valet 6 au bouton que l'on va fold et ce kill the fish qu'on va open. Parce que j'avais pas vu. Bon, et kill the fish, le deep stack turbo qui ne s'est pas ouvert, c'est pas grave, on comptait pas le jouer. Kill the fish, allez, c'est parti. Semi turbo. On se fait 3 bêtes, je crois que c'est un call en plus. Surtout vu comment il a l'air actif. Let's go. On a raté. On a poteau. Il fait tout petit. Il n'a même pas fait 25%. Je pense qu'il faut call, paire de 3. Est-ce qu'il va nous deux barrel la tronche? Oui. Eh bien, on s'en va. On n'est pas très bien contre la range de façon générale. Je vous affiche le kill the fish quand même, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Ah, en plus sur PS j'avais vu des ultra KO, ça aurait pu être rigolo. Des tournois où il y a une grosse partie du buy-in qui vont directement dans le KO, genre 80% du buy-in. Donc ça aurait pu être fun à jouer, où il y a que la TF qui prend des sous. Donc on joue quasiment que pour les KO tout le tournoi. Allez, vraiment pour atteindre, je pense que je vais le regretter de ouf. Ici, hop. On va prendre le spot. Dame 10, raise, call. J'ai pas envie d'overcall. Bouton. Valet 10 ici, on va tenter le raise. On part pour raise fold. Avec 17 blindes. Roi 5, non. Monster stack 3h du matin, c'est mort. Ouais, non, on va rester sur ces tournois là. Et puis, basta, raise 3 bêtes, dommage. Parce que j'aurais bien joué ce roi dame. Alors qu'on est retombé à 40k. Hein. 8-10 au bouton, c'est un raise. Hein. Encore relativement deep, on peut raise ça. Allez, valet 10 qui prend les blindes très très bien. 2 et 6, on va passer. C'est un bon flop. Je pense que là, 8 et 10 off, on peut difficilement rêver mieux quand même. Allez, on va faire un petit c-bet. Même si on l'aurait pas fait avec tout notre range, mais on n'a pas davantage de nuts. Je ne pense pas. Encore que. On aurait pu sizer un petit peu. Valet 10. Raise 6 turns. Bon là par contre, va falloir commencer à sizer un petit peu. Je pense qu'il faut quasiment poter. Un peu plus que pot même. On va juste faire quasi pot. Ça fold. Dommage. 4 et 7. On va pas défendre. Même sur 2,5. Valet 10. On a été payé par un trap fish. Qui est small blind. Ouais. Probablement color un peu passif. Mais j'ai pas assez de mains pour confirmer encore. Enfin, lose passif pré-flop en tout cas. Ça le dimp. Beaucoup de limp pour le moment. Allez, ben, check on dans ce cas. 4 et 3 qui ne trouve rien.
On avait bien aimé le flop à côté, mais ça aurait fait 2-4 de pique, donc forcément compliqué. Alors que nous avons une paire. Oh. Ouais, on va jeter sur Morpheus en bas à gauche. Surtout qu'il est censé raise plus tight puisqu'il doit s'attendre à des tapis. Dommage parce que c'était un super spot pour push au bouton sinon avec notre paire de 3. Roi 9. Non, on va jeter directement. On est trop short pour attaquer ça au cutoff et en plus, ça peut reshove plus facilement ici. Donc, encore moins envie de jouer cette main-là. Roi 6, un peu trop pour push sur Rocaline. On va checker, on est très content d'être là avec Hauteur Roi. Très content d'être là avec Hauteur Roi. Valet 9. Raise. C'est là qu'on va prendre le tapis. Non, ça va. Et ça bête, je pense qu'il faut fold. Là, l'Hauteur Roi. Dame 9, non. 6 et 8. On peut overlimp, hein. C'est pas dégueu. Paire de 2, on peut call en position là. Et si on commence à être un peu short, bon, ça reste ok. Bah check. Une gutshot, mais par le bas. Si, je pense qu'il faut call une fois avec notre paire de 2. On a full désormais. Ce qui peut inciter à call encore. Ouais, surtout sur un petit sizing comme ça, je pense qu'il faut call. Vers 8. Le check back, je vois pas sur quoi on a de la value. Très très bien. On va attaquer notre flush draw. Hein. 10 et 8, est-ce qu'on call? Non. 8 et 3 passe. As valet 8-7, est-ce qu'on n'a pas envie d'overlimp à cette profondeur là? Non, quand même pas. Ah, encore que. Non. As valet. Je vais just call. On fait le valet, mais le board est très très connecté. Il y a un roi. Deux dames en haut à droite, let's go pour le raise. On va checker. All in the Rocaline, évidemment, ce sera call. Désormais, notre As Valet n'est plus bon du tout. Contre Dame Valet, on n'est pas mal du tout. Ça va. Est-ce qu'on n'a pas envie de bluff As Valet là-dessus? Je pense qu'un roi nous call quand même, vu la table. On va passer 7. On est un peu juste. Ça gagne As Valet. Table très très loose. Hein. Let's go avec Roi 10. Wow. Raise all in pour 82 blindes. As Dame. Sur le 2€, n'est-ce pas le moment? On voit sur le limp, je vais me faire plaisir, dis donc. All in! Déjà que sur un raise, on l'aurait fait, mais sur un limp, encore plus, dis donc. Allez, 16 blindes ennemis. J10. Bon, le limp va me simplifier la vie. On va overlimp avec notre main, ok.
et deux as sur le KO. Ce qui est bien. Parce que si jamais il veut se réénerver à remettre 87 blindes pré-flop, on va pouvoir le faire. 10-9, on va call évidemment sur un 2,5. Allez, on trouve un petit tirage. Voilà, donc s'il a envie de se réénerver à mettre 87 blindes, bah, ici, seconde paire, on va call. Turn une dame, c'est pas ouf. Deux barrels, surtout qu'il a vu qu'on collait pas mal. Donc je vais peut-être pas call ce coup-ci. Et ici, on va tenter le bluff. Allez. Voilà. On va essayer son passe. Let's go, le call. Compte de 8. Allez, please hold. Yes. Tourne autour. Mais on prend 1 euro. Waouh, c'est chelou ce qu'il fait. Dame valet en position. Let's go pour un call. Ouais, et on se fait squeeze all in. Eh bien, on va jeter. Chelou de faire 2,5 quand t'as 14 blindes. Surtout quand t'as l'habitude de limp depuis tout à l'heure et que t'as limpé 4 mains sur 5. On est d'accord que c'est bizarre. Du coup, on a envie de jeter ce As-7 dans le muck. Roi 9, je pense que c'est un call en position, d'autant plus sur un KO. Mais quel beau flop. Allez, évidemment qu'on va l'attaquer ce flop. Se fait payer et on trouve un cœur turn. J'ai envie de shove, il peut call des flush moins bien. Je pense que flush auteur roi c'est suffisant. Aïe 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 aïe. De toute façon, si je call même si je call, il shove la river et on call quand même. Incroyable ce run ce soir. Ouais, en plus on a roi 9, on a même pas roi valet, roi dame. Ce qui peut. Bah, la dame est au milieu d'ailleurs, mais la dame de cœur. Mais autant des mains comme roi valet, roi 10, on a envie de just call aussi pour attraper. Déjà, ça laisse des nuts flush ou des secondes nuts flush dans notre range, mais c'est surtout que ça bloque beaucoup plus ses flush à lui. Là, on a même pas as roi, on bloque pas l'as quoi, visiblement. Wow, je vais call quand même. Et je commence à. Pareil, pas. Bon. Si on se fait 3 bêtes, la dynamique est pas bonne depuis quelques secondes. Ok pour le limp. Check. On va jeter, attention. As-3, on va jeter directement. Dans ce spot. Parce qu'on se rapproche de la bulle, notamment. Pas loin d'être l'unique raison pour laquelle je jette. Mmh.
Donc je pense quand même qu'il faut que je chauffe. La suite au cut-off. Pour 15 blindes. Ok. 2 et 8. 5 et 2, on passe. Et on aurait 12 spectateurs sur cette main. Ça me paraît étonnant. Mais ouais, j'ai beau réfléchir le coup avec As-4. Au pire, sinon on call quand on bet en 2 barrel turn, on call sur son raise. Parce qu'il peut aussi y avoir, il n'y a pas que les flush, il peut y avoir des fulls. Même s'ils sont très très peu nombreux. En gros, il aurait slow play, brolante de flop quoi. Mais dans tous les cas, sur la river, on aurait call, donc ça changeait pas grand chose. Je pense que de façon générale, enfin le coup, pas grand chose à dire, c'est juste, voilà. Net flush contre seconde, net flush. Je vais checker plutôt ici. On n'a pas envie de miser sur ce band là en particulier, 100% de notre range. Et on a la backdoor flush, mais je pense qu'il y a des meilleurs bluffs à trouver sur ce board là. Là pareil, on va bluff la river quand même. Bluffera pas la river alors. Surtout qu'on voit plus grand chose. Paire de 7. Si proche de la bulle ici, on va prendre le spot de 3 bêtes bluff. Tchouboulou. Allez, let's go. Ah, quoique. Quoique, à ce moment-là, du tournoi. Ouais, quand même. Ici. Ouais. Par contre, check turn. Ici, all-in avec As-Dame et 20 blindes. Qu'est-ce qu'on fait sur une mise? On call. Est-ce qu'on a de la fine value à refaire ça? Je pense que oui, il a jamais d'as. Pas des as mieux que nous. Est-ce qu'on peut même aller jusque là? Je pense que ouais. Pour qu'il recolle une dame quoi. Peut-être un petit sizing aurait fait call une dame. Dame 4. Ouais, roi 2. 10 et 7, non. Je suis pas sûr sur le sizing. Est-ce que je devais mettre un full size ou un small size? Normalement, de la façon que c'est joué, les dames valets, rois dames ont envie de call quoi. Parce que je vais avoir une tonne de bluff aussi. Même si on connaît mes ranges spécifiques, mes bluffs sont très. Hauteur as heavy. Enfin, en français, hauteur as lourd. Et SI heavy en anglais. Allez, bien parce que c'est la bulle. Et que t'as pas l'air le mec le plus aggro du monde.
hors de position et rater le flop. Après, on a Essay, on est assez content, hein, mais. On gagne pas souvent quand même, même avec Essay. Check. Oh, j'ai bien envie de call quand même. Il faut que ce soit valet 10, roi valet, as 9. GG la value. Bien ce qui me semblait, on gagne pas souvent. Valet 10 en position. Snap call. Valet 10 de cœur. As-roi. On the bubble. Oh, bon, bah, au moins, c'est plus simple à jouer. Valet 10 qui fait 2 paires en haut à droite. Et 2 dames derrière. Est-ce qu'on tente d'attraper? Ouais. Ok, on va commencer à polariser direct. Ici, le raise. Pas besoin de faire trop trop cher. On craint que de dame 9 en gros. Sachant que ça va reshove aussi tous les tirages. Ce sera snap call évidemment. On craint plus dame 9. On craint plus les flush. On est très très bien. Ok. 10 et 8, dis-toi. Très très bien. 9-5, on va passer. Allez, tiers de finale sur le Monster Stack, même si c'est toujours pas l'ITM. Sachant qu'on grind hein, tranquillement 577. On se fait 3 bêtes par un mec qui aurait presque du shove pré-flop. On va jeter ce 10 et 8. Qui trouvait un flop fantastique. Et on va trouver 2 as derrière. Allez. Dommage, c'était la main d'avant qu'il fallait avoir 2 as. Est-ce qu'il va re-3 bêtes 2 fois de suite? S'il 3 bêtes, je le colle juste, hein, pour info. On est en position, on a 2 as dans un SPR qui sera ultra réduit. Ce serait énorme s'il re-3 bêtait. Et on trouve 2 dames à nouveau sur la bulle du 2€. Le jeu veut nous mettre à tapis. C'est le script de FIFA, ça. Let's go all in. Ah, la doublette de la dame là-haut. Allez. Du coup, est-ce qu'on a envie de 2 barrels? Chaud. Ah, check. Compte 2-6. Allez, faut que ça hold. Yes. Un call avec 2 as. Ouh, 2-7. Ouais, je sais pas si je rate pas. On a peut-être pris mass value, hein, mais. À checker cette main, tiens. 10 et 9. On va lui demander le stack désormais à la bulle. Désormais, on va essayer de mettre la pression à la bulle. Allez, contre A6, c'est un très mauvais call en termes d'ICM, je pense. Accessoirement. Je pense que c'est un très mauvais call ICM-ment parlant. En chip EV, il est pire que standard. Par contre, je pense qu'en termes d'ICM, là, il est catastrophique son call. BVB pour 10 blindes. Ah, je sais pas. Ah, c'est une vraie question. Parce que lui, il a plus que 10 blindes, remarquez. Donc, peut-être pas. J'ai trop réfléchi là, c'est que ça doit pas être bon. Quoi. Si mon cerveau me dit non, c'est que ça doit pas être une bonne idée. Ah, j'étais bien avec 4-5 au départ. Pas à l'arrivée, mais au départ j'étais bien. Attention, lui du coup il a 7000. Ok. Le squeeze ici.
Le squeeze pour éventuellement partir à tapis ici. Ouais. Bulle complète. Ouah, ici, Richov, du coup. À la bulle réelle. Déjà qu'en standard, c'est un Richov, mais là, du coup, à la bulle réelle. Donne-moi tes jetons, quoi. Ok, les valets qui prennent ce joli pot. Petite musique. Tranquille. 3 et 9. On jette. Je refais la même erreur que tout à l'heure. 55 euros pour info à la gagne sur ce 2 euros. Sur lequel nous sommes pas encore ITM. Est-ce que vu comment c'est des tarés, faut 3 bêtes bluff ce As 2? Non. Surtout pas après le call. Et 10 et 4 off, je pense qu'on peut raise du coup à la bulle réelle. Parce qu'on va avoir une range de shove absolument démente à l'inverse. Parce que là, en fait, la stratégie que vous devez avoir avec ces stack size là, quand là tout le monde a 15 blindes, théoriquement, vous pouvez pas trop. Vous pouvez pas trop raise parce que vous pouvez vous faire reshove. Sauf que là on a une arme géniale, c'est gros dame, on peut faire push direct. Et là c'est démerdez-vous les gars. Donc là s'il veut call, soit il a un monstre, et auquel cas bah voilà. Et même quand il a un monstre, on a 30%. Qui ne viendront pas. Donc là par contre on va plus pouvoir le faire. On a perdu 10 blindes. On va plus pouvoir le faire. On va devoir se recalmer et juste pouvoir open un peu plus loose parce que lui du coup on va pas pouvoir reshoff non plus une tonne. Et on va pouvoir l'emmerder un petit peu en jouant un poil plus loose. Voilà comment vous êtes censé attaquer la bulle. Démonstration absolument fantastique puisque comme vous pouvez le voir, on a perdu 10 blindes. Bon après, faut mettre ça en relation sur les deux coups d'avant, on a pu prendre 4, 5, 6 blindes grâce à notre jeu à la bulle. Donc en fait, on a perdu 4 blindes si vous faites le calcul. Et parce que, en l'occurrence, il y avait deux dames au bouton. Est-ce qu'on a un joueur à zéro, par hasard? Non, pas encore. Dame 10. C'est un raise automatique, sachant que eux et eux, on les call si jamais ils boitent. Paire de 5, payé par deux joueurs, on flop une gut shot. On va respecter la range meilleure, ici. Et lui qui nous 3-bet, par contre, c'est chiant. Du coup, c'est lui qui va avoir les bons spots normalement maintenant. Mais... Ouah, il a fold sur le tapis, mais n'importe quoi. Ici, on call évidemment. On fait brelan. Donc, on n'a pas non plus de. Maintenant, on est pas mal. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça. Ok. C'était trop en passe. Alors que la bulle n'éclate pas. Quatre et 7, on va pas défendre sur son open. Dame 8, on va défendre. Pas le meilleur des flops pour nous, hein. Bon, après, on a la meilleure hauteur possible, hein, hauteur dame, c'est bien. Ah, si, 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 on va passer. Combien, hein? 17 000 euros, ça va. Ouais, je pense qu'il faut call quand même. On a la backdoor flush, on a hauteur dame, il fait un petit sizing. Je pense qu'il faut call. C'est très chiant, mais il faut call. Sur deux barrels, on jette direct. Dame 5, passons. On
coup, il se remonte un stack qui va bien nous embêter. On va même plus pouvoir open beaucoup plus loose parce que si on se retrouve sur un coup à tapis contre lui, au final, on n'est pas bien. Après, on n'a plus assez de... d'écart. En fait, c'est au-delà du fait de couvrir son adversaire dans les spots ICM comme ça. C'est surtout... Bon, de roi, c'est pas le bon exemple. Mais c'est surtout quelle, entre guillemets, quelle pression vous pouvez lui mettre. Si lui, si là j'ai 250 blindes et que lui il en a 25, vas-y, agresse-moi autant que tu veux. Tu vas risquer tes 25 blindes et moi je vais en risquer, je vais risquer un dixième de mon stack. Donc voilà. Bon, faut éviter de perdre celui-là maintenant. Hein. Ok, bon. Tout va bien. Quoi, c'est bon, c'est pas de ma faute. Ah, j'ai déjà pris roi-dame contre deux dames. J'ai le droit de récupérer un peu de jetons. Mais ouais, j'aurais été dans ton spot, j'aurais vomi, j'aurais râlé sur ce stream. Donc t'as raison, en fait. Mais comment... Ah, j'ai envie de squeeze. J'ai envie de squeeze. Je vais squeeze. Je pense que c'est bien cool. C'est bien cool. Parce qu'on est souvent devant sa range et puis quand lui reshove, on peut fold tranquille. Bon là on est pas mal, on est bien. Si j'aime bien squeeze. Parce que call en fait c'est chiant, tu vas très souvent être dominé au final. Et généralement quand vous squeezez, vous avez envie de merger votre range. Donc, tant pis, reshove par dessus. GG. Ok. Chip leader ici, on est bien. Quasiment en demi-finale. Ouais, accessoirement, les... on est en demi-finale d'ailleurs désormais, je viens de voir 12. Voilà un run sur les 2 euros qui continue. Ouais, j'ai même pas eu envie de bluff au third dame parce que je pense que ça gagne river. Enfin, au showdown plutôt. Un run sur les 2 euros, sur les 4. Sur les deux dernières sessions, on a joué 4 tournois à 2 euros. On a gagné les deux derniers. On est chip leader du, enfin du, de l'actuel. Donc c'est pas que j'ai envie de me plaindre, mais si on pouvait déplacer un peu de ce run complètement indécent et spectaculaire sur les 2 euros, on pouvait en déplacer un tout petit peu sur les 5 euros. J'avoue que ça me plairait quand même. Enfin, parce que bon. C'est sympa hein, de dire prendre les 2 euros, de gagner des tournois, mais si je pouvais avoir la même sur les 5 euros, ce serait cool. Demi-finale d'ailleurs. Avec des stacks moyens par là, on va peut-être se faire un poil plaisir. Roi 9, non, du coup. Là, on a un vrai gros stack sur lequel on peut mettre une vraie pression. Alors, 10 et 8, on va défendre. On fait la top pair contre Nanar Tapi. Bon, qui fait un gros size. Je pense qu'il faut check call. Check raise me paraît très ambitieux. Avec Valet 10, j'aurais pu check raise. Oh, Dame 10 plus. Dame Valet 10. Aïe, shove turn. On va tank. Ça c'est sûr, ça c'est une certitude alors qu'on va open cette as. Je vais jeter, je pense que c'est un poil trop juste. Bon, ici on call, contre As-Roi, on fait le 3. Waouh, il jouait tout le paquet à part ce 5 de trèfle. Donc ça c'est un open que j'ai fait plus loose parce que justement je peux mettre la pression sur eux. Et du coup bah, je me retrouve complètement commit pour call. Ici c'est peut-être un call.
J'aurais pu prendre plus de temps de la réflexion après. Que ouais, c'est logique qu'il se polarise en fait. Dès le flop. Donc à partir de là, il a essentiellement ses flush draw. Et arrivé turn, je pense que il value. J'aime pas shove le flop parce que du coup on s'isole contre ses overpairs, ses meilleurs 10 et ses flush draw qui ont 50% d'équité. Donc en fait, c'est je préfère call. Une fois qu'il y a la dame turn. Il y a tous ces tirages avec les dames qui peuvent shove, je pense qu'il... En fait, ça, j'ai pas l'impression... Je pense pas que sa range bouge beaucoup. Il va peut-être checker quelques gutshots, quelques 10. Qui sont moins contents d'arriver turn. Et 5 on va raise. Ouais. Allez, 8 et 9, on va défendre aussi en bas. Ouais, même à 3 joueurs. On fait le 9. Alors, que va-t-il faire? Il check. Je pense qu'une fois que tout le monde a checké là-dessus, on a un bon spot pour open. Ici, on va c'est bête. Comme on aurait fait avec tout notre range, mais en plus, on a une gutshot et une backdoor flush. Ouais, c'est raise. Oh. Qu'est-ce qu'il fait à check le flop et raise la turn? Il a check back as 2 de trèfle. Là, j'étais en value, mais pour qu'il raise turn comme ça. Ok. Peut-être fait une connerie, mais. Paire de 3, allons-y. Bon, j'ai plutôt limp. Le problème, c'est qu'il peut re-shove un peu trop facilement si je raise. Ça m'embête. Dame 9. Hop, j'avais pas vu le 3 bête. Failli faire une bêtise. Check. Heure de pause. Ok, désormais sur ce 9, par contre, je vais attaquer avec mon roi de carreau. Si on a été payé en position, on va respecter ça. Par contre, on va peut-être call une mise. On va check, on va essayer d'aller au showdown. On serait content. On va false 5 et 7. Il a s'il te plaît un as flop. On va vite avoir la réponse, je pense. Ouais, je pense que. Bon, après, il peut miser ses carreaux ratés, hein, mais. Allez, roi 8, allons-y pour le raise. Dame 8 aussi, d'ailleurs. Là, pareil, on va plus pouvoir trop leur mettre de la pression parce que voilà ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'il va falloir juste. On peut un petit peu sur tout 10, mais c'est même pas flagrant en fait. Non, je pense qu'il faut call. Faut tout call. Là, s'il avait shove le flop, si ça donc bête. D'accord. Ok. 8, 7, non. 4 et 10 non plus. Roi 6, allons-y. Non, là, ce coup-ci, on va pas call. Dommage. Dommage, on n'a pas cliqué sur le bon bouton. Ici, on se fait marcher dessus.
5 et 8, on passe. Roi 10, on passe. Roi 5, non. Plus que 8 sur le 2 euros. As 2. Ah bah c'est la TF. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain. C'était pas hier. C'est maintenant. J'hésite entre raise et limp. On va limp. Ok, on fait le 2. C'est très bien. C'est très bien déjà. C'est dur de faire une paire à ce jeu. Recheck. Content avec notre 2. S'il mise, je sais pas trop ce qu'on fait. Y compris sur cette river. Bon. Pareil. Hop, je le renote pour bot, mais les spots. Les spots de check-check. De bluff river en gros. Après, les lines très passives. Je pense que ça under bluff une tonne. J'aimerais bien confirmer ça. Paire de 3. Du coup, il n'y a pas de raison de raise beaucoup plus large sur cette TF. On va même avoir beaucoup d'ICM du fait qu'il y ait deux gros shorts et qu'on puisse pas trop. Donc je pense que c'était presque un fold cette paire de 3. On va quand même se bet ce board sur lequel on a un avantage de range assez conséquent. Ok, très très bien, on garde le chip lead, et ça c'est une bonne nouvelle. Non, on peut mettre un peu de pression sur Save the Bees, mais en fait on doit presque jouer plus tight du fait qu'on a un énorme ICM, enfin, un énorme facteur bull, appelez ça comme vous voulez, mais en gros on n'a pas trop d'intérêt à aller se frotter à eux deux, donc on a envie de jouer plus tight quand ils sont en position sur nous. A l'inverse, eux n'ont pas grand chose à perdre, donc ils peuvent nous restyle la tronche assez facilement. On peut leur mettre un peu de pression, mais c'est pas non plus. Enfin, si, ils doivent attendre l'un et l'autre que l'autre sorte. Vous me direz. Mais je pense qu'en termes de strat, on n'est pas censé open beaucoup plus loose. On va pas open beaucoup plus tight, mais on va pas open beaucoup plus loose. De façon générale, que nos ranges habituels. Que les ranges cheap EV, quoi. Je pense. Après ça, ça fait partie de l'ICM, c'est... Ça fait partie des trucs sur lesquels je dois pas mal m'améliorer. Aussi. 5 et 6, non. Allez, roi dame, on est parti pour défendre. Pas ouf hein, pour l'instant. Roi dame, waouh, c'est presque. Beaucoup de payeurs là-dessus, c'est presque un spot de squeeze. Je vais just call. Je crois qu'on s'est mis dans la merde en payant juste. Après, si lui check, normalement on est pas trop mal quand même. Hein. On va faire ça. Si lui give up, on n'est pas trop mal normalement. Paire de 10. Ok. Normalement, on devrait pas trop mal s'en sortir sur ce board. À moins qu'il slow play. Tu vois. Plutôt prendre ce spot là du coup. Essayer de faire call un 10. Bon, ça va fold. Parfait. Parce que je pense que c'est. En gros, notre autre. Option normale, c'est d'overbet. Et je suis pas fan. Ok, payé par Wilson qui du coup est assez loose.
malgré tout. Mais notre paire de disques a trouvé un as au flop. J'aime bien le check back, on va pas miser 100%, parce que ça justifie pas non plus qu'on mise 100% cette, ces stats, mais... Et du coup on n'a pas envie d'aller chercher de la value plutôt que mai, je sais pas pourquoi mai. En janvier, on n'est pas en mai. Check back, je pense qu'on perd très souvent le coup désormais. Doublette de... Oh, c'est catastrophique. J'ai presque envie de bluff, mais... check des fois que ce soit, je sais pas, roi dame. Pas 10. Est-ce qu'on devait bet pour value? Je pense pas. Au flop, juste pas de bol, il trouve son valet. La turn est assez catastrophique au final. Tu 9 et 2 en haut à droite. Je réfléchis par rapport à l'ICM, on est à 10 places de la bulle. Bon. Je pense que ça restait une défense malgré tout. Valet 9, on passe. À suite, est-ce que c'est pas un reshove, surtout en KO où ils vont call encore plus loose? Je pense que si. Versus un raise du bouton. Non. Oh, 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 il y avait un quad caché. Il y avait un quad caché, dis donc. Alors sur, pour revenir un petit peu sur la TF, pour l'instant on peut pas open trop loose parce que les stacks de 30 blindes mine de rien peuvent nous faire mal et les autres stacks peuvent reshove même s'ils vont pas avoir normalement l'envie de reshove trop loose. Ici normalement c'est un reshove, le problème c'est qu'il est censé call une tonne du fait de mon KO, donc je vais plutôt fold. Normalement ils ont l'envie d'attendre un petit peu les sortants. On a 16 blindes comme ça ici. Tout le monde a un peu le même stack. Donc on n'a pas trop envie de bouger sur le chip leader. Maintenant. Là franchement c'est un spot, je sais pas trop. Si je suis censé open plus loose ou pas. Dans le doute je vais pas le faire. On va juste jouer proche du chip EV. Parce que ça normalement on doit pas open plus tight. Vu qu'on est chip lead. Ça c'est sûr. Ok, on fait top pair ici. On va défendre notre top pair. Malgré le board monocolore. Y compris sur ces deux blindes. Doublette du valet. Pas ouf. Je pense que ça peut presque me faire fold aussi. 3 barrels. As-roi. Bon. Andy et Cap, vainqueur de Winamax Series, qui a un logo Twitch. Ah, intéressant. Je vais jeter directement ce A5. Parce qu'il a que 18 blindes, il est plutôt tight. Ah, check. Valet 7 pareil. Pff,
On a tellement de flush draw à miser ici que j'ai pas envie de barrel ce valet 10 off. Même avec le valet de cœur. Faudra penser à bluff la river quand même. 9 et 4, on va défendre. Ou pas. Ou pas, vu, le, vu la situation. Bon, ici on va bluff. Hein. On peut avoir le 8. Et on bloque un peu les cœurs. Paire de 2, je vais fold, vu les stack size. Et vu ce spot ici, on peut aller grappiller le palier. Ok, le bluff qui passe sur le kill the fish. On le prend. Mais très volontiers. Oh, le 2 turn. Deux et quatre, on passe, alors que 3 bet light revient gentiment à notre hauteur. Ah, on a 2 millions 7 hein, quand même. On a grind bien gentiment, ce petit tournoi là. On a de late reg avec 20 blindes, hein, quand même. A 6 contre dame 9. Et non. Premier sortant de la TF. Plus que 6. 8 et 5, on passe. Alors les stacks sont en train de gentiment se rééquilibrer. 5 et 8. Oui, je pense. Rishov à tapis. Ah, tiens, dans mes dents. D'ici 2, on va passer. Ouais, on commence à avoir un tapis suffisant pour pas qu'il puisse call n'importe quoi, donc je pense qu'on peut peut-être push roi 9 si jamais ça arrive jusqu'à nous. Ok. Alors il y a un joli pot qui se fait sur ATF. Pourquoi on n'a pas le logo? Pourquoi j'ai pas l'ATF? Je voulais l'éclairage TF moi. On va jeter. Alors ça va bientôt être la pause. J'avais pas dit qu'il y avait un turbo là. À minuit. Un semi-turbo réservé aux Français, ouais. Ouais. Qui finit à presque 3h du matin. Un vrai turbo, y'a pas ça? Enfin, turbo 6 max déjà, c'est pas mal, je me dirais. Mais... ouais. On va peut-être pas réopen un tournoi. Et un turbo à 2€. Ah non, il y a une Mystery KO qu'on a complètement zappé, mais c'est pas grave. Tant pis, on va rester avec ces trois tournois là, et puis une fois qu'on aura fini ces trois tournois, ce sera très bien. Ace King sur la TF. On va faire ça. De toute façon, il sera commit pré-flop. Ok, et c'est la pause. Je vais jouer mon dame 9. Et c'est la pause. Au moins ça simplifie la décision. C'est la pause, on revient d'ici 5h30 du coup pour jouer les tournois restants. A tout de suite. Allez, let's go. On est reparti.
Alors, 6 et 8 de carreau. On va raise au bouton, évidemment. Ok. Flop plutôt sec. On va faire notre CB. Comme on aurait fait avec 100% de la reine, je pense. Le 10 de carreau turn, c'est un peu particulier. Parce qu'il nous offre le flush draw, mais... méga fort flush draw, je préfère avoir valet dame off là dessus que 6 et 8 de carreau. Check, on fait la flush. Qu'est-ce qu'on fait s'il mise? Je pense qu'il faudra call quand même, même s'il est pas censé miser essaye. Ah c'est chaud hein, s'il mise. Je pense qu'il faut call quand même. On aurait presque collé ça là-dessus, donc ouais. Waouh, il y a les quads. Il y a le carré en face. Ça va, tranquille, mec. Carré en TF. Alors que c'est la bulle tout en haut, à droite. Voilà, du coup, on va pouvoir commencer à relancer un peu plus tight. Roi 9. Allez, on fait flush river en plus pour vraiment qu'il puisse prendre le maximum. Roi 3. Ah, il prend l'option de même pas miser le... Incroyable, tout qui est bien passé pour lui, il prend l'option de pas check raise sur notre petite mise, il prend maximum. Les planètes se sont alignées. Allez, dame 4, on va jeter. Ça se rééquilibre les stacks, on revient gentiment dans la moyenne. Que monsieur Ship qui est un peu derrière et les jetons qu'il n'a pas sont chez 3 bet light. 8 et 10, je pense qu'il faut défendre. Allez, let's go. Pas le pire des flops, hein, quand même. Est-ce qu'on doit pas shove d'ailleurs sur ce flop? 7 et 2, on va jeter. Parce qu'avec un straight draw, il est censé call. Donc, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de shove hein, pour défendre notre équité là-dessus. Parce que s'il a 7, il va cool. Waouh, la lecture. S'il a 7, il va cool. Bim, à 7. Hey. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne, avouez. Pierre de 7. Reprenons notre sérieux. Ici, les 5, ça va être un tapis. Hein, pour info. Je pense qu'on peut faire difficilement autre chose que ça. Hein. Let's go. Ah, bon. J'aurais pu peut-être fold pré-flop et m'économiser une blinde ennemie. Ouah, contre As-Roi. Eh bien, on va prendre le palier supplémentaire, sachant que notre paire de 7 tenait. Bon, là, par contre, c'est... Hop, bonjour. Ici, le frein à main. Pour venir freiner vos envies de relancer, monsieur. Ouais, non, ça justifie pas quoi. Ouais, ça va. On te dérange pas, 3 bet light là, tranquillement, quoi. Le mec, As-Roi, 2 rois, carré, ça va, quoi. Run better. Comme ils disent en Espagne. Main d'après, ici, on va open très loose. Hein. Il y aura lui en big blind, faut pas l'oublier.
Alors qu'ici c'est la bulle, mais la bulle ne veut pas exploser. Ça fait 10 minutes que c'est la bulle. Bon, j'exagère. Allez, valet 5, on passe. Si c'est 10, on va passer. Non. On va quand même passer, je crois, mais fait chier. Ah, c'est cadeau, Targ 052. C'est pour toi. Ah, là, je openais à peu près ce que j'aurais open normalement au cut-off, mais. Ok, donc ici on passe. Et enfin ici, item. Ah, les 9. Ouh, intéressant ça. Ça va rééquilibrer un peu les stacks. Enfin, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Allez, lui il a doublé. On peut toujours pas. Parce que ouais, on va open beaucoup plus loose pour aller chercher. Parce que contre lui en fait, admettons, il boite. Ouais, ici, je pense que c'est un fold vu comment il a joué tight en plus. Is it real? Ouais, je pense. Et en gros, pour expliquer pourquoi on est censé open plus loose, admettons, il va faire tapis toutes les mains. On sait que d'un coup, un bounty comme ça, c'est à peu près 5000 jetons en début de tournoi et 6666, un tiers du stack de départ, plus précis. Arrivé à ce moment-là du tournoi 6 et 5, je pense que c'est un open quand même, même si on est censé open plus tight avec lui. Ça reste un open. 6-9, non. Du coup, admettons, il fait tapis toutes les mains. Là, il y aura 8016. En gros, les 5000 de bounty, les 5000 jetons de bounty rajoutés font que bah vous aurez toujours la cote, peu importe votre main. Donc ça vous incite à raise plus loose. Et comme s'il n'était pas là, quoi. Un petit peu dans la même idée que... Oh, le spot! Pardon. Le spot de ouf, il vient de strike. Et du coup, le mec à qui on disait run better depuis le début, il a bust avant nous. On n'a rien dit. Il ne s'est rien passé. Neuf trois, on passe. Pas grand chose à faire. Ici sur le 2,5. Bah vas-y, fais le taf, hein. Monsieur Lionel Pessy. Ouais non, faut fold. Du coup ici on va fold. Là on va le laisser nous marcher dessus. Hein. Je pense que lui il a pas compris en fait. Ah si. Que pour info, hop, c'est 28 euros la troisième place, 30, 40 euros la deuxième et 55 la première. Donc là, on a juste à attendre que lui fasse le taf. Quand il lui réchauffe la tronche comme ça, on attend juste que lui se décide à call et puis on voit s'il gagne. Et puis s'il gagne, on ira. Et puis s'il gagne pas, on aura pris la place, quoi. Mais évidemment qu'il va se faire plaise. Les 4 contre roi 10. Ah! Il nous faut un 4 river. Non. Donc là maintenant, faut que nous on se bouge le fion. Pour info, roi 10 ici, non. Ah, il va continuer. Tu m'étonnes. Là par contre, nous faut qu'on se bouge le fion. Dommage. Ah, il comprend le jeu. Valet 3, on va jeter. Richov encore. 3,5, il varie. Si lui fold, je shove. Quoique. Est-ce qu'on doit shove? On va plutôt se laisser la place de faire un truc comme ça. Allez, sur son limp, évidemment, on shove. Contre As-Valet, on s'est fait piéger.
Le 3, le 8, le 7. Non. Troisième place, dommage. On continue pas ce run de tarif. 28 euros, cela dit. On prend carrément. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez, let's go pour le bounty, le flip. Allez. Quand je vous dis qu'on run carrément meilleur sur les 2 euros que sur le reste. Bon, on va finir up hein, cette session. Pas de beaucoup, on va finir up. Oh, l'as de cœur qui vient trouver sa flufluche. On prend le palier. Bon, de fait, ça devrait plus être très long désormais. Non, 9 et 3, même sur un 2,5. Non. 5 et 8 non plus. Ah, le flip pour être à 28 blindes, couvrir tous ces gars-là. Et en plus, on aurait quasiment pu jouer pour. Non, ça n'aurait pas été énorme. Mais... petite incitation quand même pour aller jouer leur bounty, quoi. Que dalle. Hein. Oh, le roi 8 qui fait la quinte. Oh, le cochon. Bon, on va pouvoir jouer pour son bounty à lui, c'est déjà pas mal. Je le couvre, je le couvre. Pour 4,49, je le couvre. Ah, oh, ça va être un call, messieurs dames. Vu sa range de push en plus. Faut vraiment que lui re-shove. Ouais, let's go. C'est pas si mal. Hein. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On couvrait les deux. Ça ne veut pas. Mais je pense que c'est un call. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vu sa range de push, même s'il push plus tight, admettons. Entre le bounty, son bounty, allez, nope. Jamais faux fold, je pense. Ok, ici, on prend les jetons quand même. Dame 3, non. Ok, je pense qu'on a... ah, on a encore de l'équité. Non. Non. Bon, fini sur la table 1. Petites affiches où on n'a pas été bon du tout, je pense. On a pris un kill quoi, avec deux as et un mec qui fait boîte. Mais... voli, voli. Bon, la call. Standard, je pense. Et on bust. Et bah voilà. Soirée terminée. 8,10€. Bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Revenung. Revenung sur le. Voilà, voilà. Là. Je vous ramène dehors. Pour cette première session, où voilà, run plutôt correct quand même, puisque entre du coup ça et les 210, on est à 324€. On a pris 9€ ce soir, messieurs dames. Si j'ai bien compté, faudra que je vérifie, mais tu. Elle est où? 324€ de bankroll actuel. Donc on a pris entre le bonus de PMU, mais il va falloir que je réussisse à donner mes papiers à un moment. Ouais, c'est ça, 114. Perdu 5€ sur PS, donc 95, 115, 210 et 114. 200, 324, on est bon. La suite, je vous l'ai mis, masterclass cash game demain soir, en espérant que j'ai le temps de la finir. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon sans trop de problèmes. Pour préparer une éventuelle session qui n'est pas notée ici, mais qui sera jeudi soir. Jeudi soir, l'idée c'est de jouer en cash game sur PokerStars. Je vous détaillerai les raisons demain sur pourquoi sur PokerStars et pas sur sur Wina. Notamment parce qu'il y a un bonus. Mais c'est pas la raison principale. Alors que le Monster Stack a fini, pour info, c'est Pessy qui a gagné, évidemment, avec son énorme stack. Ouais, donc l'idée, c'est de jouer en cash game jeudi soir, donc assez tard. Pareil, sur les coups de 22h30. D'essayer de se faire 2 heures, de faire un maximum demain sur ces 2 heures, en zoom, je pense. Mais ça, encore une fois, c'est soumis à certification qu'on arrive à avoir le compte. Sinon, je me rabattrai, je pense, sur des
sur des tables. Je vérifie les tables de cash winner. Est-ce que si je veux jouer à cette heure-ci, j'ai encore de. Il y a encore assez de trafic. Ouais. Ça doit être faisable quoi. Il y a de la NL5. Parce que je pense qu'on attaquera par de la NL5. Est-ce qu'il y a encore pas mal de tables? Une, deux. Ouais, si ça peut se faire quoi. Il y a des tables incognito. Est-ce que c'est pas mieux de jouer en incognito? Enfin, faut que je réfléchisse à ça. Ça peut être une idée de jouer en incognito. Moi, l'idée ce serait de jouer plutôt en. Ah oui, sachant qu'en plus le. Ah, attendez, je regarde le trafic. Il y a du trafic en zoom sur PS. J'ai vérifié en même temps. Mais ouais, l'idée c'est ça, c'est de jouer en cash donc jeudi soir et de se refaire peut-être une session MTT samedi soir. Plutôt en espérant encore une fois ouais qu'on aura. Parce que là je suis très déçu notamment pour PMU parce qu'il y avait il y a une série en cours. Donc pour pas pouvoir jouer les séries c'est un petit peu frustrant, surtout quand il y a des 5€ de taille raisonnable. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même pour ceux qui sont passés en direct et pour ceux qui ont regardé ça en replay parce qu'on est toujours plus nombreux sur YouTube et ça fait grave plaisir. Et comme je vous disais, on se retrouve dès demain soir pour une petite masterclass. Bonne fin de soirée à tous. Ciao.